On est au Loisir d'en haut. Vous avez organisé une journée formidable pour les moins jeunes. Qu'est-ce qui a parti de l'idée? C'est quelque chose, là? Avec la demande que Michel, le responsable ici, avait au départ, ça s'est déjà fait il y a plusieurs années. Puis, il n'y avait pas de relève pour organiser. Nous, ça nous tentait. Puis on voit comment les enfants s'amusent à leur journée de loisirs. Fait que c'est un peu... On était un peu jaloux, fait qu'on a décidé d'en faire. Vous autres, vous avez tous participé aux Olympiades dans le temps. Puis là, maintenant, vous gérez là, les Olympiades pour les adultes. Puis la moyenne d'âge est assez jeune, c'est le fun. Oui, vraiment, pour vrai. C'est sûr que ceux qui le faisaient dans le temps, que nous, on était petits, c'est sûr qu'ils sont peut-être plus d'un âge pour pouvoir faire les gladiateurs ou ces choses-là. Mais c'est le fun qu'ils viennent, puis qu'ils puissent nous regarder, puis quand même de venir participer. C'est de venir nous encourager. Ouais, il y a un peu de folie là, là-dedans. Là. Ouais, un peu de folie. Hein. Les gens nous connaissent aussi, puis on a des épreuves un peu pour tous les âges aussi. Ceux qui sont moins habiles, ils ont pu participer au lancer de l'œuf ou à d'autres activités. Fait qu'on est pas mal contents de que ça puisse être offert pour tout le monde. Ben, bravo les filles, puis on devrait se revoir l'année prochaine. Merci.